Bonjour, je suis Christian de Mark & Steve. Alors aujourd'hui, on va parler d'un secteur un peu particulier qui est le secteur du manufacturing et de l'industrie, qui est parfois un secteur pas ultra digitalisé, qui est assez classique, assez traditionnel à certains égards, et qui aujourd'hui a fait face à plusieurs challenges. Un premier challenge peut être notamment le besoin de visibilité. On a rencontré notamment pas mal d'entreprises qui aujourd'hui ont un site internet qui n'est pas toujours très moderne, pas toujours très visible et qui ne met pas en avant de manière hyper efficace le savoir-faire, les produits qui sont proposés par l'entreprise. Et donc, et ils ont en parallèle de ça aussi des problématiques liées à l'équipement de la force commerciale, qui peut être une force commerciale internationale ou une force commerciale de terrain, qui n'a pas forcément d'outils faciles à utiliser concernant qui est prospect, qui est client, ou d'outils simples aussi pour éditer ne serait-ce que des propositions commerciales ou connaître l'ensemble du catalogue de produits. Et tout ça avec des outils aussi métiers spécifiques, souvent qui sont par exemple des ERP ou des outils particuliers de gestion des catalogues qui ne sont pas connectés à l'ensemble de ces initiatives-là. Donc ça, c'est des points qu'on adresse chez Mark & Steve aujourd'hui. On les aide notamment sur la partie marketing à être plus visible avec un site internet moderne, même si on est dans une activité peut-être traditionnelle et qui existe depuis plusieurs décennies. Et comment est-ce qu'on va être capable de mettre en place une plateforme moderne qui va être capable de générer des leads? Ça, c'est un point qu'on peut adresser. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des initiatives, notamment marketing, avec la création de fichiers d'entreprises cibles que les commerciaux vont pouvoir prospecter, et en bout de chaîne, d'avoir un outil CRM moderne, utilisable par les flottes de commerciaux qui vont être sur le terrain, en France, mais aussi à l'international, et qui va être directement connecté à des outils métiers un peu plus robustes, comme des ERP, des outils de gestion de produits, et qui vont leur permettre d'être digitalisés et efficaces face à aujourd'hui des entreprises qui sont de plus en plus autonomes dans leur recherche, hein, qui vont aller sur Internet, trouver des prestataires ou des fabricants qui sont capables de répondre à leurs besoins. Et vous vous reconnaissez dans ces challenges-là et dans ces use cases, n'hésitez pas à regarder notre site Internet et à consulter nos contenus. On a pas mal d'informations sur ces thématiques-là, ou à venir nous voir et à en discuter. On sera ravis de prendre connaissance de vos problèmes et de vos projets, et puis de voir ce qu'on peut faire pour vous aider. À bientôt.